Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et avant, on va mettre du coup une présentation quand même. Ça va être mieux. On va la remettre parce qu'elle est cachée. Elle est là en fait. La petite coquine. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui me passionne, et si on apprenait à apprendre et à partager autrement. Moi, je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur advocate chez OVH Cloud, et ce que j'aime, c'est aider les autres, partager. Et ce que j'aime avant tout, c'est essayer d'expliquer des concepts techniques compliqués avec des mots simples et des illustrations. Nous sommes actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents, mais nous devons rentrer dans le même moule. Nous devons rentrer dans des cases. Et à l'école, on doit tous suivre le même programme, les mêmes programmes éducatifs. On doit tous apprendre de la même manière. Et même dans notre métier, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la majorité des livres sont faits de la même manière. Ils se ressemblent tous. Donc on est tous différents, on a tous des facilités et des difficultés, on n'a pas la même logique, on n'a pas le même mode de réflexion, mais le système éducatif et les programmes éducatifs sont les mêmes. Personnellement, cela m'a amené à me poser quelques questions. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut changer cela? Est-ce qu'on peut innover? Cela a-t-il un intérêt de le faire? Et qu'est-ce que cela peut apporter? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Il était une fois une petite Aurélie qui avait deux grandes passions, les Lego et le dessin. J'adorais jouer Lego, partir de rien, suivre les instructions et réaliser des créations. Ici, je vous ai mis le set de Lego auquel j'ai le plus joué. C'est un petit moment de nostalgie. Et je n'avais pas beaucoup de Lego, mais j'aimais monter les sets, les démonter, les remonter, pour imaginer des histoires avec. Ma deuxième passion était le dessin. Je dessinais tous les jours, tout le temps. Et je dessinais même sur mes cahiers en cours, et je me rappelle que mon cahier de philosophie en contenait beaucoup. Et oui, ce n'est pas très bien, mais voilà, c'est comme ça. Et là, c'est pareil en fait, j'aimais partir de rien, m'inspirer de ce que je voyais et dessiner. Et voir des coups de crayon créer quelque chose, c'était trop bien. Et lorsque j'ai commencé à suivre une étude supérieure et à travailler, mes deux passions se sont envolées. Et en fait, au lycée, puis lors de nos études supérieures, puis après en travaillant, on oublie ce qui faisait de nous ce que nous sommes, nos passions. Durant les études, on est comme des moutons qui doivent tous faire la même chose et suivre le troupeau pour y arriver. On doit tous être comme les autres élèves, mais cela pose un problème. On oublie nos passions, on oublie ce qui faisait briller nos yeux. Et de mon côté, pendant plusieurs années, à travailler sur des technos super challengeantes du Struts, GSP,
des JSF, des JSTL, du Spring et surtout beaucoup trop de JWT. Mes passions se sont envolées, je n'en avais plus et je ne faisais que travailler. En changeant de technologie et en ayant plus d'expérience, je me suis mise à écrire des articles dans mon blog personnel, dans un blog en tant qu'invité, dans le blog de mon entreprise, dans des sites et des magazines, etc. Écrire, je le fais depuis des années. Expliquer les choses et partager mon bruit de savoir, cela me plaît. Et on va pas se leurrer, le plus facile et le plus accessible pour moi, c'était de le faire par écrit. Mais il s'est vraiment passé quelque chose en 2020. Pendant le premier confinement, un samedi ou un dimanche dans l'après-midi, je me suis allongée dans mon lit, j'ai pris ma vieille tablette et je me suis demandé comment j'imaginais un pod, un des concepts de la techno Kubernetes. Je me suis mise à dessiner et à gribier des Pokéballs. Ok. Ok, cool, d'accord. Pour moi, en fait, un pod, c'est comme une Pokéball et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Ok. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très, très, très beau, hein. Oui. Mais c'était un premier jet et la petite graine était semée. C'était le début de quelque chose, c'était le début d'une grande aventure. Puis je l'ai tweeté. Alors, à l'époque, je dis, il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai. Donner quelques tips, infos, surtout bien un test, manuscrit, en dessin, utile, pas utile, déjà vu, je laisse tomber. Alors, oui, dans la dernière phrase, on se rend compte de la confiance que j'ai envers ce que je fais. Et j'ai eu énormément de réactions me disant que c'était cool et qu'il fallait que je continue. Donc, suite à cela, j'ai gribouillé, j'ai scriptonité tous les soirs, tous les jours, pendant des mois et des mois et des mois, et au final, j'ai réalisé un e-book. Et en fait, j'avais l'impression que qu'il y avait plein de choses dans ma tête et il fallait que je les sorte en sketchnotant. Donc, de gribouillis fait un samedi ou un dimanche en pleine période du confinement, j'en suis venue à autopublier un recueil de sketchnotes sur Kubernetes. Et grâce à cela, ma passion est revenue. Puis après, j'ai fait pareil sur Istio et sur Docker, et tout en faisant évoluer en parallèle celui sur Kubernetes. Et c'est comme cela que je me suis mise à avoir écrit trois e-books et plein d'articles sur Dev2 avec les sketchnotes accessibles au fil de l'eau et des articles sur Hugo. Et après plus de 2 ans de travail, j'ai finalement en fait sorti mon livre illustré en physique sur Kubernetes. Et en fait, ça y est, c'était réel. Ça y est, c'était du concret. La route n'a pas été simple. Elle a été semée d'embûches et de doutes, mais j'y suis parvenue. Et je me suis même lancée, pourquoi pas, à faire des vidéos courtes sur YouTube pour expliquer en 2-3 minutes un concept sur Docker et Kubernetes avec un mix de vidéos et de sketchnotes. Mais je n'aurais jamais fait si fin 2019, je ne me serais pas lancée à faire des vidéos courtes sur YouTube pour des retours de vide-grenier. La caméra et moi, ça fait 12. Et comme vous l'entendez, Laurel et moi, on n'est pas du tout copains à la base. Donc, j'ai mis du temps avant de franchir le pas, avant d'oser parler devant la caméra, avant d'oser partager les vidéos sur les réseaux et sur YouTube. Donc, en parlant d'une de mes passions,
Cela m'a aidé professionnellement et techniquement. Donc, très important, les passions ne sont pas un frein, ne sont pas futiles. Elles vous permettent d'être bien, épanouies et de vous démarquer. Donc, j'ai testé des trucs, j'ai laissé libre cours à mon imagination, bon, peut-être trop en fait. Oui, ouais, trop peut-être. J'ai pris mon courage de le partager et cela a plu. Ou comment gribouiller un samedi ou un dimanche après-midi en pleine période de confinement, super dur à vivre, a pu m'amener à faire quoi ? Des livres, des vidéos, des sketchnotes, et même un talk sans PC, sans slide, sur un ponton devant des gens en pédalo, à tenter d'expliquer Kubernetes. Oui, voilà. Avec quoi ? Avec des Pokéballs, avec des cartons et surtout des speakers qui sont devenus des amis. Parce qu'il faut le dire, pour partir d'une petite fille incapable de dire son prénom et qui faisait des cris de panique et qui partait en larmes, rien qu'à l'idée d'avoir à passer un coup de téléphone à une personne bon, qui n'a guère grandi en taille. Hein. Bon, ça, en fait, pardon, c'est le running gag que je fais à pas mal de confs, et je vous assure, j'étais debout au de Luxembourg, mais le podium, en fait, il était trop grand, en fait, pour moi. Donc, voilà. Donc, on en revient. Pour passer bah, d'une personne incapable de parler d'une extrême timidité à une personne qui est aujourd'hui là devant vous, rien ne serait en fait arrivé sans des personnes bienveillantes, sans des communautés de développeurs, de développeuses, et sans des personnes généreuses en fait qui prennent de leur temps personnel pour aider les autres. Cela m'a aidé personnellement et encouragé à aller parler devant des gens. Je pense par exemple au rendez-vous des speakers, au Google Developer Group, au GDG, au JUG, au Java User Group, au Meetup, à bah, tous les Meetups en local qui sont très importants, également aux conférences. Et également aux personnes qui ne se font pas voir, qui ne cherchent pas de la visibilité, mais qui sont toujours là en cas de besoin. Il y a tant de personnes à remercier. On a vu qu'il était possible de faire des choses très différentes, de créer des livres, des vidéos, etc., qui sortent du coup de l'ordinaire. Et si maintenant, on expliquait les choses différemment ? Et si on réfléchissait à un moyen de partager d'une autre manière ? Mais pour qui, en fait ? En un, pour les neuro-atypiques. Quand on parle de neuroatypie, de neurodiversité, cela englobe les personnes ayant des troubles dyslexiques, dysorthographiques, dysphasiques, dyscalculiques, etc., etc., etc. Les HPI au potentiel intellectuel, HPE au potentiel émotionnel, les bah, personnes souffrant de divers troubles mentaux dans le spectre du trouble autistique, etc., etc. Et quand on sait qu'il y aurait environ 15% de la population qui serait neuroatypique diagnostiquée et que la majorité ne l'est pas, cela se fait se poser des questions. En deux, pour les juniors et les
personnes moins expérimentées. Et en 3, bah, je dirais tout simplement pour vous. Personnellement, cela m'aide grave de sketchnoter, etc. Mais je n'aurais jamais imaginé le faire en fait pour les autres. Car en fait, je me disais que cela aidait que moi, que les autres, ils apprennent plus rapidement que moi. Mais au final, en fait, on a tous notre façon personnelle de penser et de réfléchir. Donc vos petits tips, ils peuvent aider également d'autres personnes. Et du coup, est-ce qu'on peut changer les choses, sortir des conventions pour partager notre savoir pour aider les autres? Eh bien, je pense que la question est toute répondue. Bon, ok, c'est bien gentil en fait, mais comment on fait pour créer des trucs qui sortent de l'ordinaire? Alors, oui, je sais ce que vous allez dire. Tu es bien, on va dire, gentil en fait, avec tes gribouillis, tes vidéos, etc. etc. Mais comment moi je fais pour créer des choses qui sortent du commun? Je claque des doigts et c'est parti. Alors non, en fait. Mais on va voir des tips qui peuvent vous aider à faire sortir la créativité et l'imagination qui est en vous. Essayez de prendre au moins 30 minutes, une heure par semaine, rien que pour vous. Aérez-vous le cerveau. Voyez d'autres choses que votre travail et que votre quotidien. Vous pouvez, par exemple, marcher, courir, faire de la randonnée, faites du vélo, du skate, de la trottinette, jouez à des jeux de rôle, à des jeux de société, à des jeux de plateau, à des jeux vidéo, dessinez, écrire, faites du tricot, de la couture, des activités avec le bois, des activités avec une imprimante 3D, etc. Ou bien, trouvez-vous un petit coin de paradis. Vous pouvez également vous poser quelques minutes dehors, tranquillou, dans un endroit calme, près d'une rivière, d'un lac, d'une forêt, dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Moi, personnellement, ma bouffée d'air frais, c'est quand je vais à des vides de grenier. Cela m'aide à faire un break. Et bah, cela en fait m'aide à avoir plein d'idées pour des articles, des talks en fait, etc. Alors, comme il n'y a pas énormément de vide grenier en fait en hiver, mon deuxième sas de décompression, c'est quand je dessine en fait à la maison. C'est une bulle temporaire dans un quotidien qui est très prenant. Le but est que vous trouviez des moments rien qu'à vous, pour vous vider l'esprit, pour laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité, et à ce qui fait de vous ce que vous êtes, et ça c'est très important. On a vu que c'était bien de partager différemment. On va maintenant faire un petit focus sur mes coups de cœur. En tout premier, je ne pouvais pas citer en fait Julia Evans. Elle parle de network, de bash, de DNS, etc., en design. Et pour moi, en fait, si vous ne le faites pas déjà, suivez-la, parce que c'est
l'une des premières, en fait, à, on va dire, avoir tenté ça. Donc, suivez-la, c'est toujours très bien expliqué. C'est simple et c'est agréable à lire et à comprendre. Il y a également Priyanka de chez Google qui a commencé à illustrer le cloud en 2020 et qui en a même du coup créé un livre. Donc si vous voulez comprendre le cloud de Google avec des illustrations, pareil, du coup, suivez-la. Il y a également des talks qui sortent du commun, comme par exemple celui de Pierre Thibulle et de Noël Maché, qui nous conte l'histoire des navigateurs web avec un format atypique et trop bien. Pierre sketchnote en live l'histoire que raconte Noël. C'est un talk qui sort du commun et qui mérite vraiment d'être vu. Et d'ailleurs, ils étaient ici il y a un an. Donc, très cool. Et il y a également Sébastien Blanc, alias Sebi, qui vous apprend de manière humble et très, 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 très fun Kubernetes, Quarkus, les bases de données natives, la programmation pour les enfants, etc. Donc, il est très imaginatif et très très créatif et honnêtement, vous vous ennuierez jamais jamais avec lui. Il y a également Lee qui a fait un super talk en chantant en mai dernier à Toronto et c'était sur le service access et c'était génialissime. Alors, je ne sais pas si on va entendre la vidéo. Déjà, première chose, est-ce que... Où est le son? Ah ouais, je l'ai mis là. Tu n'entends pas le son? Ah ouais. Ah yes, bien vu. Bon, attends, ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. À fond? Non, bah... Chip. Pas grave au pire. C'est juste pour vous dire. Non. On n'entend pas le son, mais en gros, en fait, c'est un rap et c'est trop bien, en fait. On va dire, c'est une des choses, en fait, que cela fait des années que j'aimerais faire et le regarder, en fait, donc en direct. C'était trop bien. Je me remets sur ma feuille. Et je pourrais vous donner plein, 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 plein d'autres exemples, mais maintenant, c'est à vous de jouer. Et vous savez quoi? Il existe plein de manières très différentes de partager son savoir, ses connaissances. Le plus important, c'est de rester vous-même, d'oser, de tenter des choses. N'essayez pas de copier les autres, c'est très important. Partagez de la manière dont vous le voulez. Changez les choses. Nous sommes tous différents. Donc nous aurons, donc nous ne sommes pas obligés d'avoir à apprendre de la même manière. Vous avez une idée et personne ne l'a fait avant vous? Bah en fait, cool. Oui, peut-être que l'idée n'est pas bonne, mais on ne peut pas le savoir si on ne tente pas. Et en fait, quel est le risque que cela débouche sur un autre projet? Bah, en fait, cool. Cool. Et surtout, ce qui est important, arrêtons de nous fixer nos propres limites. Et un des messages que je veux faire passer, c'est arrêtons de vouloir mettre des gens dans des cases. Hétéro, LGBT, grand, mince, blanc, noir, homme, femme, nous sommes tous différents. Et on a le droit et le devoir d'être nous-mêmes.
Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur une autre chose. Si vous voulez partager, si vous voulez créer du contenu, faites-le non pas pour vous mettre vous en avant, pour gagner de la visibilité et des likes, mais simplement pour aider les autres et pour faire le bien autour de vous. Nous avons un pouvoir. Nous avons des pouvoirs. Aider les autres. Écoutez, et je dirais de manière active, et laissez les personnes parler, car elles ont tant à dire et à raconter, si on leur laisse l'occasion de. Faites de l'accompagnement. Acceptez les autres et levez le pied, la différence. Et qui dit grand pouvoir dit grande responsabilité. Attends, tiens. Ta-ta-la. Et n'oubliez pas, vous avez une voix, sérieux-vous-en, car je sais que vous allez faire de choses merveilleuses avec. Même s'il existe déjà du contenu sur un sujet que vous aimeriez aborder, ne vous créez pas vos propres limites. Si vous voulez parler de ce sujet, faites-le. On est tous différents, donc vous aborderez le sujet d'une manière très différente. Que ce soit en écrivant un article, en présentant un retour d'expérience, en le faisant en chantant, en rap, en slam, en mimant, en inventant votre propre façon de partager. Exprimez-vous, car vous avez du talent. Et j'aimerais finir ce talk par la dernière phrase du film d'animation Alerte Rouge. On a tous une créature cachée en nous. On a tous une facette qui peut être compliquée, embarrassante, bizarre. Et le plus souvent, on ne la laisse pas s'exprimer. Moi, je l'ai fait. Et vous? Merci. Alors, j'aime les retours, j'aime les feedbacks, donc n'hésitez pas en fait à m'en faire un, bah, soit ici après, toute l'après-midi, soit via le formulaire d'open feedback. Voilà. Et si on a du temps, une question ? Merci à nouveau, bravo. Est-ce que vous avez des questions, des anecdotes également, ce que vous voulez? Ça va être la pause. S'il y a des gens également qui font des sketch notes, etc. Tu vois. Bonjour. Ici. Attends, c'est moi, Jacques. Déjà, merci beaucoup pour cette super présentation. J'avais une question, enfin, plus une question de feedback. Est-ce que vous avez des retours, par exemple, notamment sur des personnes neurodivergentes, qui auraient pu faciliter l'apprentissage? C'est vrai que parfois, les personnes neurodivergentes, enfin, j'en fais partie. Mais parfois, <voilà. rire> parfois, les livres, ça peut être rébarbatif pour les troubles de l'attention, ce genre de choses. Les O'Reilly, ils sont géniaux, mais Savak Solitpeur a beaucoup de blagues, donc c'est facile de le suivre. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous avez eu des retours un peu de personnes qui auraient eu un apprentissage facilité grâce justement à vos dessins et à vos explications? Alors, en fait, bah oui. C'est rigolo parce que, à mon avis, on va dire que les neuros atypiques, en fait, ça tire, en fait, parce que j'ai pas mal de amis et de collègues et autres qui sont, par exemple, TDAH, en fait, trouble déficit de l'attention avec ou sans, ça dépend, hyperactivité, etc. Et en fait, oui, ça les a aidés, en fait, à en fait, juste avoir un résumé avec
que les informations importantes. Et grâce, on va dire, grâce aux illustrations, cela les aide en fait à retenir. Et un autre, on va dire, une autre chose, j'ai un fils qui a 13 ans et qui est dyslexique et fortement dysorthographique. Donc à l'école déjà c'est cool. C'est chouette à l'école. Et on va dire que pour la majorité de ces contrôles, je suis obligée en fait de trouver des solutions avec des dessins. C'est long à faire, c'est très compliqué, mais on va dire que cela lui aide en fait sur quelques devoirs. Donc on va dire que oui, tout le visuel, c'est très important au final en fait. Donc ouais, voilà. Merci beaucoup Aurélie, je pense qu'on peut encore l'applaudir.